Voyez, alors la prochaine aventure qui va vous donner un indice peut-être, c'est une épreuve qui aurait été malheureusement formidablement pour Leïla. Pas, écoute, j'en suis déjà malade. Alors, ce qui veut dire que là, j'ai besoin de... je vais me sacrifier, là. Victor, j'ai besoin de Victor, j'ai besoin de Karine et j'ai besoin de Christophe aussi, qui va nous rejoindre sûrement. Donc, on équipe déjà celles qui sont là. Sandrine peut le faire aussi, éventuellement. Ah bah voilà, Christophe, tu l'as eu? Non. Je vais réfléchir. Bon, alors, tu te fais équiper aussi, Karine aussi. Bon, alors, vous m'écoutez un petit peu. Vous allez vous balancer gracieusement dans cette sorte de mâture. Un moment ou un autre, quand on va vous donner un top, vous allez faire un cochon pendu et essayer d'attraper le monsieur qui est là-bas, qui va tendre ses bras. Son bras, il y a un indice sur le bras. D'accord. Si vous n'y arrivez pas, vous laissez tomber dans le filet, vous remontez très vite, vous passez le relais à un deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, puis le sixième, puis le septième. Puis je dis chante et je m'en vais, au revoir, saut. Tu t'accroches. Ouais. Et après, tu cherches du regard. C'est sur son bras. Regardez, il va vous montrer où c'est inscrit sur le bras. Je sais, mais je suis complètement miro. À l'intérieur du bras. Même les prises, parce que si tu cherches de regard sur ton corps. Allez, venez, nous on va à côté. Victor, c'est toi qui passes en premier. Ah oui, bah rien. Viens. Je suis obligé de revenir parce qu'on l'a oublié. J'ai oublié quelque chose de très important. Il faudrait qu'il s'en aille, notre ami Alan. Pour la prochaine aventure. Voilà. Voilà. Je reviens, on repart. Alors, on reste tous les deux, hein. Pas tous les trois parce qu'ils passent partout. Victor, tu as bien compris, hein? Oui, je crois que j'ai compris. Oui. Ah, des petits mots. Impressionnant, Vénissi. Tu l'aurais fait? Mais toi, tu fais tout. Tu es capable de tout faire. Tout. Alors, comme on n'a pas eu le premier mot, on va, à mon avis, faire peu d'aventures compte tenu du temps. Ce serait important qu'on ait maintenant ce mot. Alors, un petit signe qui veut dire on est presque prêt. Voilà. Le marin est prêt. Trop tard. Victor, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Vas-y, lâche-toi dans les... Lâche-toi, lève-les bien tes jambes. Victor, tu as formidablement bien fait le cochon pendu. Oui, malheureusement, j'y suis allée trop tard. Bon, c'est pas grave. C'est bien. Tu as eu peur? Bah non, bizarrement. Bizarrement, il y a un endroit. Alors, deuxième possibilité maintenant avec Karine ou Christophe? C'est Christophe qui se prépare. Victor, tu viens nous rejoindre? Pourquoi j'ai essayé de me faire faire? Je n'ai pas compris. Remets tes chaussures. Victor, peut-être donne une indication à Christophe pour lui dire ce qu'il faut qu'il fasse. Oui, j'y suis allée trop tard, donc apparemment j'étais un... Viens. Trop tard dans quoi? Un truc... Viens près de moi. Hein, j'ai peut-être une indication que tu peux donner à Christophe. Il faut qu'il lâche les mains dès qu'il arrive... Il arrive ici. Christophe, c'est le seul moment où ça fait peur, c'est là, mais après c'est bon. Vas-y Christophe, allez, cochon pendu. Non, trop tard. Lâche-toi Christophe assez rapidement, en pliant bien tes jambes. Plus performante que Christophe. Karine, oui. Il faut absolument qu'on ait cet indice. Hein. Il faut se dépêcher Christophe. Je suis désolée. Je sais que je dis ça souvent dans l'émission, mais malheureusement, vous jouez contre le temps. On peut tenir la corde. Si jamais Karine ne l'avait pas, c'est peut-être toi qui peux y retourner. Ouais, Karine, t'as bien vu, hein? Il faut vite faire le cochon pendu et se lâcher les mains très rapidement. Ouais. Hein. Christophe, viens nous rejoindre. Vite, Karine, allez, vite. Allez, Karine. Plutôt t'as les mains. Tu te mets en marche, c'est bon, t'en as. Toi, tu dis quoi? Il faut vite. Il faut qu'un indice, pratiquement, se mettre en cochon pendu avant et dès qu'il dit top, t'engages la machine. Il ne faut pas se faire surprendre par le top, en fait. Allez, vas-y, vite, le cochon pendu. Voilà, lâche les mains. Voilà. Ouais. Ah non. Laisse-toi. Encore. Karine. Voilà. Victor, tu es prête? Ouais, laisse-toi tomber en pliant bien tes jambes. Voilà.
oublié de tenir l'échelle. Non. Allez, Karine, remonte le plus vite possible. Je sais bien qu'on t'a fait remonter déjà un filet tout à l'heure. Allez. C'est bon. Victor, c'est peut-être toi pour la dernière chance. Hein. Bah, écoute, j'essaye, je fais le maximum. Tu vas rattraper ton équipe peut-être, là, Victor. Victor, pense à tourner à bord. Dès qu'il te dit go, comme ça, au moins, tu y es déjà. C'est quoi, je t'ai coupé. C'est pas ça. Au moins, il est derrière. Écarte bien tes bras, Victor, pour bien faire le cochon pendu. Ouais. Voilà, déjà là. Alors, vite, vite, là. Vite. Les pieds et les vite, mains. Vite, vite, vas-y, là, les mains. Et les mains, voilà. Oui. Ah, zut, non, non. Oh, zut, Victor, hey, laisse-toi tomber dans le filet. On va voir si on a la... Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut se laisser tomber. Oh là là. Alors, est-ce qu'on a encore le temps d'en faire une autre? Tant que le pirate ne s'est pas lâché. Ah non, j'ai l'impression que le pirate va se lâcher dans le filet et là c'est terminé. Oh non. Ouais, il nous fait un petit signe ironique d'au revoir. Voilà, c'est fini. Le pirate s'est lâché. On va attendre Victor avant d'aller à la prochaine aventure quand même. Ah, ça alors. C'est bien joué quand même, Victor. T'as fait. Là, t'étais vraiment à quoi, deux petits doigts de. D'attraper les mains du pirate. Je tremble de tout mon cœur. Vous avez joué aux chaussures, Karine, mets vite tes chaussures. Ça va? Non. Non? Oui, ça va. Non, c'est Marc qui l'avait. Ça va? Bon, Victor, tu remets tes chaussures. T'étais tout prêt, t'étais vraiment tout prêt. Hein? Allez, garde le moral surtout, parce qu'il reste encore des aventures. Allez, venez, on fera les lacets plus tard, là. Okay. On fera les lacets plus tard. Allez, avancez, avancez, avancez. Mets tes chaussures, sinon tu vas te blesser. Tu nous rejoins, hein? Garde le moral surtout. Attention de ne pas tomber avec les lacets quand même, hein?